Yo. Yo. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de Sekiro. Bon là, j'ai retrouvé la route, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Donc, bon, on va continuer l'histoire. Avec du mal, hein, je vous le cache pas. Mais là, je vais essayer de. Faut que j'apprenne en fait. Faut pas que je devienne. Faut pas que je reste aussi nul. Faut que j'apprenne à. Bah, à pas me faire voir. À bien garder tout ça. Donc, on va y aller tout de suite. C'était où? C'est ça. Oui, je pourrais le refaire à pied pour vous faire voir, mais c'est galère. En fait, il y a des mecs sur les toits. Je vais vous montrer, hein. Je sais pas si on les voit ici. Ah bah le... Voilà, bon je vais mourir comme ça au moins, Mais vous voyez un peu de quoi je vous parlais. Et en fait c'est pas le seul, il y en a des autres tout autour, sur tous les toits. T'en as même qui sont sur des parachutes. Donc là on voit un peu la suite. Enfin le reste du château je veux dire. Bon, allez, normalement. Ici, j'ai pas ouvert. Hein. J'étais arrivé jusqu'au pont et enfin jusqu'ici. J'avais tué lui. D'accord, là il y a un mec, là-bas il y a un autre gars. Chiffon, ils tournent, ils sont combien? Ah ouais, putain. Je crois que ça c'est un chien. Non. Ils sont combien? Ils sont deux, hein. Oui, ça va en fait, je vois un peu comment je l'ai déjà affronté. C'est le vieux là-bas, je sais pas comment il fonctionne. Je sens pas, franchement, je la sentais pas. C'est le genre de.
peut descendre. Vous savez, c'est le genre de personne qui, de personnage qu'on le trouve un peu insignifiant, mais qu'on fait pas gaffe en fait. On se dit ouais, c'est une vieille ou un machin. Elle va donner l'alerte ou un truc comme ça. Et puis finalement, c'est l'ennemi qui te défonce, quoi. Donc dans le doute. Oh, joli, on a bien défoncé. M'a bien défoncé. J'avoue. Pour ça, il faut que je m'apprenne. Faut que j'apprenne plus à. Bah, je sais pas, à parer les coups. Faut que j'apprenne à mieux jouer, quoi. C'est joli ce genre de terrasse comme ça. Ah? Ah ok, au lieu d'ouvrir la porte de l'autre côté. Je peux passer par ici. Là, ils sont deux. Il y a la vieille. Trop tôt. Ah ouais, non, les mecs, ils étaient plus que deux, quoi. Bah, c'est pas grave. On va descendre.
Ah ouais, ils sont ok, ils sont un paquet ici. Dis donc. Ah oui, mais c'est des nuls, ceux-là. Karma time! Pourquoi? Non, faut pas que je sois aussi. Ah oui, là je me suis fait karma direct. Moi qui ose dire ouais, c'est des nuls. Ah. Le raccourci. D'accord, là il y a les escaliers qui sont faux. D'accord. Du foie d'anguille. Un remède miraculeux capable de bannir les effets. Quoi? Les éclairs vont faire le tel qu'un china. Voyez grandement la masse de dégâts. D'éclair, d'accord. Apparemment, il va y avoir un boss qui va faire des éclairs et faut utiliser ça. Sabimalou, un antique sabre court dont la lame est teintée de rouille bleue. Il peut être inséré dans les prothèses, ouais, forgé par le clan Ashina pour repousser les démons inhumains qui avait envahi Ashina et des temps oubliés. Sa lame fut trempée dans un poison bleu capable de repousser les esprits. D'accord, donc ça c'est contre les esprits. Maîtrise l'art de tuer les shinobi. Cela nécessite un bon équilibre du corps, un bonbon fabriqué qui profite de la protection divine, réduit les dégâts, posture pendant un temps. Deuxième raccourci. En fait, je vais y retourner, hein, je vais remonter et tout ça. Et je veux juste les. Je vais juste les tuer en fait. Ah, il y a aussi le truc de timing et tout.
Donc je suis pas trop. Pour faire à manger, bien sûr, mais aussi sur les blessures et pour purifier les morts. Et à la vitesse à laquelle les gens meurent, on a épuisé nos stocks alors? Oui, général. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui tombe malade sur le champ de bataille. Je vois. Dans ce cas, nous devons trouver un moyen de récupérer du sel. Ok, apparemment il y aura un truc avec le sel. Hein? Ah si, c'est bien ce que j'avais vu. Ça c'est encore une zone annexe. Mais nous, on retourne là-bas. Parce que j'ai dit que je ferais l'aventure. Enfin la suite de l'aventure. Et je crois que c'est là-haut en fait. C'est quoi, j'ai dit? On peut pas remonter. Pas grave, on va se téléporter. J'espère que ce que je suis en train de faire, c'est la suite, parce que si c'est là la suite que je devais aller, je serais dégoûté. D'accord, ne s'ouvre pas de ce côté. Bon, bah, comme ça, c'est fait.
Ouf, ouf, d'où ça pue? Non, je l'ai... C'est tendu, hein, 3... Bouge, 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 bouge. Boulette, boulette, boulette. C'est obligé. T'es obligé que je meurs. Je sais pas, mamie, je la sentais pas tout à l'heure. Ah mais c'est obligé, ils sont trois, qu'est-ce que je peux faire contre eux? C'est quoi ça? T'as pas le droit de faire des trucs comme ça toi. Purée, il restait un bonhomme, il était faisable et qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je suis refoiré. Pourquoi? Parce que j'ai trop anticipé le truc. Et voilà. Pas besoin de les tuer. Yeah.
Ça va pas. Oh, l'autre il était retourné. Allez. Un de moins. Mamie, je suis désolé. J'ouvre la porte. Comme ça c'est fait. J'ai pensé à un truc en plus. Au moment où j'ai fait ça, je me suis dit bah non, j'aurais dû me barrer par en haut, attendre qu'ils redeviennent en mode patrouille et retuer derrière. J'essaye de devenir moins mauvais, mais je veux pas vous cacher, c'est chaud. Hein. Là, quand ces trois mecs-là, c'était chaud. Je suis en train de faire n'importe quoi.
Toi, tu tapes combien de fois, toi? Désolé mamie, mais tu fais trop de bruit. Alors, est-ce que je dois aller en haut? Est-ce que je dois aller en bas? Dame Emma, dites-moi, qu'est-ce qui a causé l'état de cet homme? L'eau de jouvence, c'est ainsi qu'on l'appelle. Vous voulez me dire que c'est l'arme secrète à Sheila? Oui, ceux qui en boivent ne peuvent pas vraiment mourir. En fait, ils deviennent incapables de mourir. L'eau de jouvence, elle provient du sang du dragon, n'est-ce pas? Oui, Dame Emma. Je ne crois pas que le sang du dragon soit sacré. Pas du tout. C'était pas... Ok. Ok. Ok, je voulais dire. Ça s'est fait. Devrait essayer déviations successives. Ah merde, il m'a vu. Ah merde, je peux plus sortir. Ah merde, j'étais pas en... J'ai pas eu le temps. Non mais là, on vient d'atteindre un palier, c'est pas possible. Qui est ce mec? On va le laisser attaquer, on va voir c'est quoi son pattern. D'accord, il fait une double attaque qui en plus t'enlève. D'accord. Il m'a enlevé ma vie. Hein. Alors, les fantômes auraient dû autrefois dans la Chine, les terres de fantômes, une puissance divine qu'on pouvait bloquer par des moyens normaux. Ne reste pas au sol. Inversion d'éclairs. Les éclairs traversent le corps de ceux qui ont pied au sol. Ce qui immobilise un instant, il existe une technique secrète pour aborder l'éclair en l'air en le renvoyant. On appelle ça l'inversion d'éclair.
Elle baie en l'air pendant qu'une attaque d'éclair avant d'atterrir. J'ai pas compris. Alors en tout cas, j'ai peut-être compris en fait. Le mec, il faut sauter. Quand il vient pour t'attaquer, tu sautes. Et ça te touche pas. C'est chaud en fait. Et j'ai pas le temps, il est tellement vif. Non, ça va pas, j'ai... Est-ce que... C'est peut-être pas le... c'est peut-être pas la suite en fait. Je me suis peut-être trompé, c'est peut-être juste un mec... Un mec lambda. Est-ce que j'ai récupéré... Attendez, je vais regarder pour les compétences. Non. Hein. Par contre, j'ai peut-être... vu que j'ai des points... Ah, mais je voulais garder pour... pour autre chose. C'est combien? C'est 5? Quand je tue un mec, il me redonne de la vie? Ah, par contre, c'est une technique qu'il faut équiper, c'est ça? Ouais. Attends. Non, les bleus c'est des attaques et ça c'est les passifs. D'accord, ouais, mais ça coûte 5. C'est trop beaucoup. Ah, ça aussi je voudrais bien le mettre. On va déjà mettre ça, 5, puis après on mettra ça. D'accord, ils sont beaucoup. C'est ces mecs-là qu'il y avait sur le toit. Lettre d'Ishin. Une note laissée par Ishin dans la tour de guet. Peut-être qu'Emos sait où il se trouve. Cher Emma. Les portes du château d'Ashina ont résonné au son de la débandade. Le Tengu s'occupera des rats.
Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre un coup de gourdinette. Ah, il est là-bas, lui, le méchant. Attends, mais c'est pas là. Je suis ressorti du château, là. Allez, où la suite? Ce serait là. Ah, ça, c'est le truc en bas qu'on avait vu. C'est la porte que j'ai ouverte, je crois. Là, vu tous les trucs qui est en bas, j'y suis jamais allé. Donc, là, il y a un trou. Ouais, je sens bien que ce soit le... c'est peut-être la suite. On va voir. J'espère. Ça, ça me fait chier aussi de me perdre. Parce que comme on dit, hein, c'est facile de se perdre, mais... J'ai dit à ces abrutis d'arrêter un peu. Mais non, bien sûr. Continue d'en envoyer. C'est pénible. Hein? Tu es l'un de ces types des engoulevents? Non. Bien sûr que non. Il y a quelque chose de différent chez toi. Mais tu dois avoir un boulot assez similaire. On m'appelle Furet Chapeau Noir. Et toi? Eh bien, on dirait que tu aimes bavarder. D'abord les têtus comme des mules, maintenant ce shinobi dépressif. Les types d'Ashina qui mettent tous en dessus dessous. C'est ce qu'on appelle une bonne journée. Tu es un fugitif. Quelque chose dans ce genre, oui. Je dois dire que je suis pas très en fond ces temps-ci. J'ai la marchandise, mais personne à qui la vendre. J'attendais que quelqu'un comme toi pointe le bout de son nez. Ah, ils vendent des choses. Le sucre, morsure, c'est quoi? Une drogue secrète de Shinobi. Mourir de sa main est parfois nécessaire. Les samouraïs tournent leurs sabres contre eux-mêmes par fierté. Mais les Shinobi ont besoin de moyens plus rapides pour mourir. Pour utiliser cette drogue, il suffit de mordre. Rien plus n'est requis. Ne limite pas la résurrection après usage. T'as un truc qui te permet de te suicider. Forteresse de fer, c'est quoi ça? Un avantage de fer fabriqué utilisable prothèse shinobi pour devenir un outil de prothèse. En l'utilisant, il est possible de dévier les flèches et même les balles. Ouais, c'est un bouclier quoi. Texte du coup mortel. Anti-aérien. Un abrégé sur le coup mortel anti-aérien. Un arme martiale de shinobi. De débrouiller. Pour obtenir cet objet, un shinobi peut se trouver dans un combat où aucun combat ne touche le sol. Sauter vers un adversaire qui a baissé sa garde en l'air permet d'infliger un puissant coup mortel. Ah, mais j'ai pas les fonds, désolé. Je serai là, nageant dans les profits. Reviens quand tu veux.
effectivement, on dirait qu'il a tué ses potes. Bordel, ah, je suis pas mort. Je suis un débile profond. Je me suis collé au mur, putain. Au lieu de me barrer, quoi. Ah oui, je suis là. On va aller en bas. Ouais, quand je meurs, je perds de l'argent, donc effectivement. Bref, vu comme ça, c'est compliqué. N'aurais pas vu passer un petit voyou par ici des fois? On en poursuit un et je suis presque sûr qu'il est passé par là. Mmh. À quoi il ressemblait? Un petit gars avec un chapeau noir. En fait, personne n'est passé par ici. La seule chose qui est passée, c'était une sorte d'animal. Un raton laveur, peut-être un furet, je suis pas trop sûr. T'aurais pas confondu cet animal avec ton criminel? Oh, sérieusement? Oublie ça. Alors, attends. J'étais dans la maison, je suis descendu. C'est lui qui me tirait dessus? Bon, en tout cas, j'ai tué un canon. Ça, c'est les mecs nuls. C'est la maison. Salut, salut. Donc là, je me suis vengé. Par contre, là, ça a l'air bizarre. Là-bas, il y a un truc bleu. D'accord, ouais, si, non, je vois. What? Qui m'a vu? Ah, c'est un mec en haut, d'accord.
Oh, joli. Il m'a bien attendu. Là, normalement, il n'y a personne. On va prendre un coup de gourdinette. Bon, bah on va avancer de l'autre côté, alors. Pas un mec ici, il est où? Vas-y, tais-toi, toi. Ah oui, il y avait lui. Ouais. C'est vrai. Voilà. Attends, il y a un souci là. Attends, j'ai été en bas. J'ai fait le tour de... Bordel, j'avais pas besoin de venir ici. C'est juste, j'ai fait la découverte du vendeur, c'est ça? Donc ce serait par là? Mais là, c'était pas un raccourci? Une goutte de sang de dragon? Ça, c'est cool. C'est, je crois que c'est le sang de dragon, la goutte de sang de dragon, c'est fait pour purifier... Ah, je sais plus. Moi et les gens, ou les gens, je crois, qui sont malades. Mais putain, j'ai pas l'impression que ce soit ici, fait chier. Comment dire? Bah, je sais pas si je dois les utiliser maintenant. J'ai pas compris en fait. C'était peut-être à droite qu'il fallait aller. Donc c'est là. Oh, oh, comment il m'a levé. Non, ça suit que j'ai plus d'armes là. Bref. Je suis coincé. Euh...
Non, mais arrête de faire des avant quand. Putain. C'est quoi ces esquives là? Chaque fois que j'en fais, ça marche pas. Ah le con! Vite une boulette. Oh putain, je suis un boulet! Je me suis donné à la fin. Fait chier, j'ai voulu le prendre dans son. Oh, enculé, c'était un fusil. On se casse.
J'ai voulu le prendre dans le dos. Ça s'est retourné contre moi. C'est quoi là-bas? Il y a rien. Oh non, c'est des monstres ça. Oh! Oh le salaud! Je l'avais pas vu. Il passait par où lui? Par là? Ah ouais. Alors, corps à corps, t'es moins pimpant. Faut que je le tue, lui, mais... Allez, viens. Oh bordel, je suis un débile. Ça sert à rien. Oh bah... J'ai cru qu'il allait me faire son truc là. Ça. Ah! Il attaque plus mon bonhomme.
Ah ben c'était du sport. Bon. Espérons que c'est le chemin de la suite. Parce que... Ils sont bien gentils, mais... Mais le château qui a 10 000 chemins là... Ah mais l'autre il avait raison en fait, il y a des singes. J'appuie sur mon bouton pour loquer en fait. Mais j'ai il n'y a pas l'air de voir d'y avoir quelqu'un. Pardon. Bon. Une lanterne. Et je vais pouvoir me reposer. Voilà, gourdinette à fond. J'ai bientôt mon deuxième truc de résurrection. Là-bas, il y a un truc jaune. Quoi? De l'anguille, ouais. Encore un truc pour sauvegarder? C'est bizarre ça. Vallée engloutie. Et qu'y a-t-il donc par là? Que s'ils ont mis un chemin de traverse? Qu'il y a quelque chose. Bon, déjà là-bas il y a quelque chose, mais je sais pas comment y accéder. Si maintenant je sais.
C'est clairement pas la suite, mais bon. Hé! Il s'est pas accroché! Ah non, ça c'est dégueulasse, j'ai appuyé pourtant. Et j'appuie! Oh le jeu, comme il est codé avec le cul! C'est pas dur, tu sautes. Il y a le bouton d'écrit. T'appuies et voilà. Oh, il a attendu. C'est bien joué de sa part. Allez, on retente. Et ben voilà. Et là, il le fait direct. Non mais... Non, rien. J'ai rien dit. Faut juste lever la tête. Alentour de la Chine. Donc on revient en arrière, forcément. Merde, j'ai pas vu ce que j'ai pris. L'eau ne me dit rien qui vaille. Ok. C'était... Ok, c'était juste un chemin pour aller récupérer des objets. Sûrement, enfin sans doute. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, là, on s'en fout. What? Ouais, ok. Trempé de touche. Bon. Sur ce... Bah on y retourne.
Là-bas, il y a un ennemi. Oh l'enfoiré! Alors là en bas, d'accord. Là on peut grimper. Que de la merde. On shoot le gecko. Ah oui, c'est vrai, le gecko il donne rien. Bon, on va aller voir par là. Hein. Et si là c'est la suite, eh ben, j'aurais oublié le. Ok, ça tue. J'ai pas fait attention. Comme d'habitude. On va aller voir par là. Il suffit de bourrer. Ah, c'est là. Ça c'est. J'espère qu'il y avait personne. Ça c'est bon. Ça. Oh, le mec le moins discret du monde. Là y a rien. Ouais, donc faut que je retourne de l'autre côté. Mais j'ai trouvé une goutte de. Ou je sais plus trop. Ouais, je crois que c'est une goutte. Et
trouver un truc pour augmenter ma vie. Donc quand j'irai voir la dame. What? Où ça? Ah! C'est vrai qu'il y avait lui. Pardon. Alors, pour l'instant, ça sent bon la suite. Hein. Enfin. Je dis ça, et puis je suis peut-être en train de repartir dans un truc obscur. Bouge. Reste pas en ligne de mire. Voilà. Mais je suis con en fait. Bah oui, je suis. Oh putain, j'ai sursauté. Je suis débile en fait. Je le lock. Bah oui, faut le locker. Bon, bah j'ai mouru. Hein. J'aurais peut-être dû faire plus attention. Mais bon, je suis là pour apprendre. Alors. Voyons voir ce que ça nous réserve. Je viens d'ici. Donc il faut aller par là. Quoi? Ah ok. Oh merde! C'est bon. Ah bordel! J'ai sauté, je pense si je pouvais me rattraper, mais non. Elle était pas mal cette technique là. Bon bah on recommence hein. On recommence. Ah, c'est vrai.
Je m'en souviens maintenant. Quoi? J'ai pas pu? J'ai sauté dans le vide sans pouvoir me rattraper. Ah oui, c'est peut-être par là que j'aurais dû sauter. Qu'est-ce qu'il m'a fait le jeu? Il s'est foutu de ma gueule ou quoi? C'est pas possible, le mec il a pas pu me sniper avec sa merde de là-bas en plus. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de relever mon micro. Bah ben voilà. Purée de pommes de terre. Non seulement je vous éternue à la gueule et en plus tout ça pour sauver mon bonhomme alors que j'ai même pas pu le sauver. Ok, j'avais même pas vu qu'il était là. Je me dis que je suis peut-être pas obligé de les taper. En fait, il y avait un... Le mec que vous avez vu mourir, en fait. J'en ai croisé un comme ça, en mode vendeur. Bah, vous l'avez vu aussi. Qui me... je sais pas où est mon argent. C'est pas grave. Tête de l'inventaire. Pardon. 108 pièces, d'accord. Qui me proposait un bouclier pour je ne sais plus combien de piécettes. Je suis en train de parler avec mes viewers. Ça se fait pas. Une attaque dans le dos comme ça en plus. Ok. Mais vu que je meurs, je peux pas engendrer de l'argent. Et donc. Vous voyez, j'étais à 100 et je viens de perdre en bas à droite. Et je viens de perdre la moitié en fait. Dès que tu meurs, je crois que tu perds la moitié. Et. Ok, je fallait pas sauter dans le vide. C'est-à-dire que je vais devoir farmer les mobs pour pouvoir m'acheter une ce truc là.
Ah oui, ma trappe. Ouais, mais non, c'est pas possible. Faut que je revienne en arrière, faut que je farme. Putain. Sans mourir. Je sais même plus combien me le vendait le truc. Je sais même plus si c'était une centaine ou un millier de pièces. Quand tu veux, tu te protèges. Mais non, je dois pas mourir contre eux, c'est des merdes normalement. Tu leur fais trois coups dessus et. Oh là 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 là. Voilà, normalement ça se fait ces mecs-là. Joyeusement. Ah, quoique lui. Ouais, voilà. Putain, je suis à 242. Merde, c'était pas là. Si, c'était là.
Attendez. Est-ce que c'était vraiment là? Ouais, si, c'était là. Si, j'ai l'impression que c'était là. Mais non, c'est pas là! C'est pas du tout là! C'est pas du tout ici. C'est par ici. Ah là là, ça s'est bien passé. On va aller le voir. L'homme au chapeau. Et on va voir combien il me demande. Tout à l'heure, il était pimpant hein, quand j'ai été loin. La peste du dragon. J'ai l'impression que c'est nous en fait. Je viens de comprendre la dernière fois, il y a eu une conversation. Et j'ai l'impression que c'est nous qui donnons la peste du dragon aux gens. En fait, quand on meurt et on ressuscite, et ben on prend quelque chose, une sorte de force vitale pour renaître. Et en fait, on la prend à ces gens-là. Donc en gros, c'est nous qui les tuons. 1000 balles! C'est ça en fait, la forteresse de fer. En l'utilisant, il est possible de dévier les flèches et même les balles. Donc c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut 1000 balles. Ça c'est 1200. Donc en fait, on tue les gens. On va aller voir la dame. Je crois que comme j'ai chopé une graine, au moins comme ça je vais augmenter ma... Ah non, mais c'est ma gourde. Je vais augmenter ma gourde. J'aurai une gourde de plus. Je suis contente que tu sois venue, Lou. Au revoir. Et on avait chopé un nouveau bras. Enfin, une nouvelle amélioration. C'est ça. Une lame permettant une série d'attaques rapides avec le sabre. Le poison de roue est bien sûr. Ça s'applique à l'itération d'état poison. La légende veut que. Que la rouille bleue vénéneuse capable de repousser même les inhumains guerriers pourra qu'elle soit efficace également contre leurs descendants. Tac 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 pour un combo. Et après tout ça s'améliore.
Tout ça, on peut l'améliorer. Le nombre de trucs encore à débloquer. Ça, c'est la... La hache à améliorer. Après, la hache, elle se transforme en truc là, machin, et tout ça. Faut, ça s'améliore là, je crois. Ou alors, tout ça, c'est des outils. Non, je pense pas. Maintenant, je peux appliquer. En fait, quand je ferai ça là, et ben en fait, je peux mettre poison sur les mecs. Je peux les empoisonner. Par contre, c'est ça que je voulais regarder aussi. D'accord, j'ai qu'une perle de chapelet, donc je peux pas augmenter ma vie. C'est pas ça. Tiens, c'est quoi ça, les emblèmes spirituels? Ouais, c'est ça. Acquérir des compétences, c'est ça que je voulais. Après utilisation de certains outils de prothèse. Permet de faire un grand pas en avant, puis de tailler avec le sabre. Après avoir utilisé certains outils. C'est quoi comme outil? Les shurikens chargés. Les pétards. D'accord. Bref. Ça me fait un peu chier de farmer comme ça. Attendez que je calcule vite fait. Dans le passé, dans il y a 3 ans, je dois affronter le mec Shinobi là qui sautait dans tous les sens. Pour me donner, lui va me donner une perle de chapelet. Donc ça m'en fera 2. Il y a la dame au papillon qu'il faut que je fasse. Elle va me donner je vais pouvoir monter plus 1 en attaque. Donc ça c'est pas mal aussi, il faudrait que je la fasse elle. Il y a le samouraï machin là, avec sa lance qui lui me donne une pierre de chapelet. Il y a le mec... Le mec qu'on vient de rencontrer en haut du château, mais lui il va me défoncer et j'ai pas encore le truc d'éclair ou je sais pas trop quoi. Et il y a le chevalier aussi. Souvenez-vous, le chevalier. Lui aussi va me donner un chapelet. Je pourrais peut-être faire ça. On va essayer de farmer les monstres. Enfin les monstres. Vous m'avez compris. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on fait? On fait... de toute façon, je peux le faire là. Si je fais voyager. Dominirata. C'était ici. On va aller le voir, on va essayer de le tuer.
J'espère qu'il va me donner une perle normalement. Ah, quoique. Ça tombe, il me donne pas une perle. J'ai regardé, en fait, je me suis un merde. Enfin, pas spoilé, mais j'ai été voir une vidéo pour voir comment tuer la dame au papillon. Et ouais, il faut utiliser une sorte de pétard, je sais pas trop quoi. Là. Pas le pétard, mais. Alors là, c'est normal hein, si je meurs. J'essaye d'apprendre le pattern. Enfin, j'essaye de voir un peu son pattern. Ok. Ça te balaye. Et là il m'a tué. D'accord. Il est. Enfin, à chaque fois, j'allais dire ouais, il est faisable. Évidemment qu'il est faisable. Par contre, est-ce qu'il est faisable par moi? J'ai envie de dire. Bon, pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, j'ai envie de dire, je vais peut-être pas y arriver là tout de suite, donc avancez un petit peu dans les vidéos si vous voulez voir le moment où j'y arrive. Ah bordel! C'est parce que j'essaye un truc en fait. Enfin, j'essaye un truc. Faire ça, je vais peut-être essayer de bourrer un peu. En fait, j'essayais d'avoir le. Bien que je l'ai pas, hein, mais j'essayais de travailler mon timing de. Vous savez, tac, tac. Parce qu'en fait, si je reste comme ça et que je prends ses coups, ça fait bang, 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 bang. Ça fait monter un peu sa barre, mais si j'arrive à. Bam! Au moment où il me tape, sa barre monte un peu plus, je crois. Et ça le... Comment on appelle ça? Des fois ça le déstabilise en fait.
Ça fait qu'il met son coup, mais son coup le fait reculer et il y a une ouverture. Et là, je peux peut-être essayer de placer un comme ça ou un comme ça. Mais c'est pas possible dès le début. Quoi? Comment t'as pu me défoncer comme ça? J'avais ma garde. Ah ouais, mais peut-être. Ouais, je crois que c'est le problème, c'est quand j'esquive en fait. Quand j'esquive, ça enlève directement ma garde et comme je rappuie derrière, ça me met un temps avant de. Il y a un temps avant que ma garde ne revienne. Et généralement, c'est là qu'il me prend en fait. Quand je suis comme ça ou que je fais ça, le temps que ça revient, non. Mais non, pas là. Ouais, c'est. Il est compliqué à affronter, surtout pour un. Bah, je vais pas dire un. Si. Un nul comme moi, en fait. Non, je recule, mais je sais pas, ou alors je le fais trop tôt. J'aurais dû remettre de l'énergie. Par contre, il me fait monter ma barre vite. Peut-être essayer de. Peut-être essayer de l'empoisonner. On verra ce que ça donne. J'ai un peu de mal à apprendre les patterns en fait, donc enfin, après ça dépend les jeux hein. Mais là en mode baston comme ça
j'essaye trop de mettre mon nouveau bras, donc... Je comprends pas vraiment comment il marche. Comment il fonctionne ce personnage. Il me défonce pas mal et ses coups sont forts. C'est ça le problème en fait, c'est que. On va regarder encore. C'est chaud quoi. Fait chier, on venait de découvrir la suite de l'aventure et obstacle qui fait que je me retrouve dans la merde. On verra pas la suite de l'aventure aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Donc pour ceux qui voulaient voir la suite de l'aventure, vous pouvez couper maintenant, hein, vous l'avez vu, ce sera au niveau des ponts avec les mecs qui tirent. Et je vais en off, je vais farmer, je vais essayer de farmer et quand j'aurai les 1000 balles, j'irai voir le mec au chapeau. Bâtard, j'ai voulu me reculer pour me remettre de la vie. Putain, je l'avais presque. Je vais enlever ça. Je vais mettre ça. Et comme ça, quand je le vois se mettre en blanc pour enlever la barre, là, je lui enverrai un petit coup de shuriken. Mais je crois que j'ai compris, en fait. Je crois que j'ai compris un peu comment on fonctionnait. Je fais des petites esquives, je lui mets un coup, je le touche un coup dans sa garde. Et en fait, je me recule parce qu'il va m'attaquer derrière et après je recommence. J'ai vu que ça avait bien marché. Je suis content parce que je sais pas s'il était moins agressif. Ou si j'ai compris un peu son pattern, mais... qu'est-ce qu'il me fait, mon bonhomme ? Oula,
Là, il m'a fait mal. Là, il m'a fait mal. Là, il m'a fait mal. Non! Remets-toi debout, vite! Et je l'ai eu! Yes, I! Quoi? Merde, il m'a pas donné une... Plume de corbeau. Des plumes de corbeau, de la brume. Elles peuvent être insérées dans une prothèse, on s'en fout. L'effort usu sont au nord d'Ashina, abrités de nombreux oiseaux de proie dont le corbeau de la brume. Bien que personne n'en ait jamais capturé un, si même vous... Si même vous parveniez à en saisir un, il disparaîtrait, ne laissant que quelques plumes derrière lui. C'est un nouveau truc de bras, mais je suis dégoûté, j'ai pas eu, je crois que j'ai pas eu ma... Il va me tuer? J'en reviens pas. J'allais dire. C'est qui m'a vu et où? Bon, on va retourner en arrière. On va tester le truc du... Comment on appelle ça? Qu'on vient d'avoir, là. Le truc du... Merde. Du corbeau, là. Alors. Le corbeau. Voyons ce que ça donne.
Ah, ça fait quoi? Attends, on va aller voir s'il y a un ennemi. On va aller voir lui. Il est où? Attends, il n'y avait pas un mec ici? Un mec ici dans le temps? Bon, bref, là il y a des mecs. Bah, il me voit toujours. Ça sert à quoi? C'est utiliser une charge ou moi? Quand on vous attaque dans cette position, utilisez elle pour vous déplacer dans la direction voulue. Attends, c'est au moment où je me fais attaquer? Il est où le mec? Il est où le méchant? Il est là, je suis là, eh? Eh du coup. Vas-y, viens là. Viens au combat. Viens, on va faire du combat. Allez, je t'en prie, tape. Allez, on va tenter. Alors, de deux choses. Soit j'ai pas compris comment ça marche, soit c'est nul. Y a pas. Il
Il n'y a pas d'autre explication. Donc du coup, on va faire ça. Ah mais si je vais l'affronter et je meurs. Ouais tant pis, je suis obligé hein. On est obligé de farmer les monstres, fait chier. Non, c'est pas ça. Attends. Mais non, c'est pas... C'est pas là. C'est le château d'Ashina. Et c'est réservoir. En parlant de ça, il y a peut-être l'autre aussi. Souvenez-vous. Il est encore là? Et bien sûr qu'il est encore là. Et je me suis foiré. On va remonter ma vie. Oui, parce que j'ai un nouveau pouvoir maintenant. Quand je tue des gens, ma vie remonte. Et puis j'y retournerai. Hein. Par contre, elle remonte, mais c'est pas... C'est pas ouf non plus. Hein. Bon, on y retourne, on va essayer de le buter. Ce coup-ci, il faut bien que je lui saute dessus pour lui enlever une barre. Et puis après... Ouais. Ouais, elle est belle. Franchement, il m'a bien tué. Par contre, je suis dégoûté. L'argent que j'avais aidé... Il m'a enlevé la moitié de l'argent.
Ça va être chaud pour moi de... Non, mais... Enfin, chaud pour moi, non. Mais en off, va falloir vraiment que je farme... les thunes. Pour vraiment que... Pour que... Mercredi. Ouais, c'est ça. Bah pour que la prochaine fois, donc mercredi, on puisse vraiment continuer, quoi. D'ici là, oui, oui, j'aurai... Bah, de toute façon, je vais fermer, hein. Pour avoir la thune, normalement, ça va me prendre... Ouais, c'est faisable. Ah, bordel. Arrête, lâche-le, on se casse. Je dois lui sauter sur le rable. Mais j'y arrive pas. Ah, j'aurais pu le faire. J'accepte ma mort. Mais je comprends pas, je saute et le truc il s'affiche pas. Je vais peut-être descendre dans le trou et venir tout doucement marcher par derrière et le tuer. Mais par contre, là, le problème, c'est que... Bah, c'est tout exigu, en fait. Ah oui, d'accord. D'accord, donc ouais, faut l'avoir d'en haut parce que le mec, il est bon, quoi. T'es à peine arrivé. Ouais, lui. En fait, j'ai été voir sur une vidéo, une vidéo. Et lui, en fait, j'ai appuyé vite fait, donc je l'ai attaqué et je l'ai tué. Mais normalement, on le tue pas. Il nous parle, on parle avec lui, il était en train de surveiller ça, et on lui dit, parce qu'il entendait de la musique ou je sais pas trop quoi, et on lui dit, bah non, faut que tu vas surveiller autre part, parce que ça, la musique, elle est plus loin par là. Et il dit, bah ok, j'y vais. Enfin, il nous donne rien, ni rien, mais... pas reculer assez vite. Oh, j'ai pas vu. Thank you.
Ah, j'ai pas eu le temps. En un coup. Ouais, mais non, là. On va aller faire le. Le lot de samouraï. On va le faire le samouraï avec la lance. On va essayer de le. Hé! Si ça commence comme ça aussi. On va essayer de l'empoisonner. Pareil, on va essayer de... De travailler un peu le pattern, voir comment ça se déroule. On connaît un peu, mais faut que je fasse plus attention. Alors ça s'appelle... Ah putain, ça l'a rien touché. Ah, son coup des stocks, normalement j'aurais dû le savoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi mon bonhomme il a fait avant? Ça c'est chiant. Ouais, allez, vas-y, tu vois. J'étais même pas loqué dessus, j'ai fait n'importe quoi. Putain, j'ai pas fait avant en fait, hein. Quand je recule et je fais haut avec la croix, je joue la manette, et quand je fais haut avec la croix directionnelle pour me remettre de la vie, bah il fait un pas en avant et pour me remettre de la gourde, et je comprends pas pourquoi il fait ça, parce que la gourde, quand j'appuie sur la gourde, il est censé boire le truc, pas avancer. Ça me le fait déjà, il me l'a déjà fait 2-3 fois, enfin pas 2-3 fois, plus que ça, mais et c'est chiant en fait. Et donc oui, enfin, c'est pas que j'ai compris. Ouais, j'ai compris un truc aussi. C'est que je suis pas obligé de le taper, de lui enlever toute sa barre de vie pour le tuer en fait. Si j'arrive à lui monter sa barre en haut là. Comme lui vient de monter ma barre là. Et ben je peux le tuer après.
le salaud. Pourquoi tu fais le troisième coup? J'aurais appuyé trop longtemps. Putain, ouais, ça c'est mon... Là c'est de ma faute. Parce que j'esquive pour me reculer, mais j'esquive trop... Comment on appelle ça? Trop tôt, déjà. Et allez, là je le tue. Il faut que je le tue. Il faut que je prenne mon temps. Il faut que je... Faut pas que j'y aille en bourrinant. Faut que je prenne mon temps et que je le tue en fait. Ouais, en fait, la dernière fois, je voulais garder mes points parce que j'ai vu que quand on tuait la dame au papillon, elle... comment on appelle ça? Elle nous donnait un truc qu'on peut débloquer. En fait, c'est un... Bah, c'est un nouveau coup. Voilà, vous avez vu là? Comment ils viennent d'acheter en avant? Alors que je voulais juste lui dire, bah tu remets de la vie en fait. Obligé, hein. J'étais dans le vide. Ah, je sais ce que je vais faire. J'ai une idée. J'ai une petite idée. On se casse.
En fait, le truc que je voulais faire, c'est vider toute la zone. Et après, faire descendre le samouraï, en fait. Avec sa lance. Alors, on vient se planquer. Il est où le mec qui tire? T'es là. Hein. Non! Mais quel débile, putain! Pourquoi je fais des trucs comme ça? Bah bien sûr, le mec me voit. Ah non. Il m'a pas vu. Ouais. Tiens, on va prendre une poulette. C'est là-bas, ouais, c'est un mec normal, c'est quoi? Ah oui, c'est l'autre qui a failli me tuer. Ouais. On va s'esquiver. Je voulais les attraper, mais... Voilà. Je voulais les attraper dans leur dos. Parce que, on va dire un, je peux le gérer, mais deux... Hey, il fera un bon joueur de baseball. Hein. Ça fait mal. Voilà. Maintenant.
On descend. Je le sens. Je le sens que c'est là que tout va jouer. Allez, viens mon bichon. Voilà, ici on va pouvoir jouer. Par contre, ouais. Il pique un peu, hein. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. J'ai ruiné tout ce que j'avais entrepris. On va essayer de faire le chevalier, on va changer, on va aller faire le chevalier. Allez. Pour le salut de mon garçon, reste mon maître. Voyez, il l'a refait là. Mais qu'est-ce que je fais moi? Ah oui, j'ai plus rien. D'accord.
Oh merde, j'aurais dû... Non. Oh, je suis déçu. Mais bon, j'ai compris. Mais je suis déçu quand même. Mais qu'est-ce qu'il me fait, mon bonhomme? Voilà. Non, mais non! Mais non, bordel de merde. Bon. Monte ou quoi? Comment perdre sa vie bêtement? Putain. C'est pas possible, hein. Je suis un débile. Je suis un débile profond, je recommence. Faut pas que je commence à faire des esquives, des machins. Des... Encaisse les coups et quand tu vois que ta barre elle est trop grande, bah tu te casses et tu la laisses redescendre. Mais monte. Pour le salut de mon garçon, laisse ton épée. Ma faute. Je veux donner plus de coups qu'il ne faut en fait. Je pense que c'est deux. Mais des fois c'est un. Vas-y, va te faire foutre. Je suis sûr, je peux le tuer. La strat est vraiment pas difficile. Mais je sais pas, je fais des conneries. Allez. Faut que je recule, faut que ma barre diminue. Par contre, la sienne, elle manque pas beaucoup, hein. D'accord.
Là j'ai fait con, là j'ai fait con. Et là je refais le con. Je dois pas vraiment l'attaquer, il faut seulement que je me défende. Merde! Mon épée ne peut percer mon armure! Il ne veut pas le comprendre! Oh merde! Envoie tant que tu veux, je suis impénétrable! Mon fils! J'ai fait n'importe quoi. Mais bon, vous avez vu comment. Enfin. Le principe, c'est ça, en fait. Le principe, c'est ça. Il faut que je le... Ça, c'était pas compris dans le bail. Mais non, c'est quoi ces mouvements là? Mais pourquoi j'esquive alors que je peux arrêter son coup? Mais je fais n'importe quoi, ça me dégoûte. Tout à l'heure, je l'ai tellement bien géré. Là, il fait son truc. Mais pourquoi il me charge ? Je devais le tuer, là. Là, c'était l'heure que je devais le tuer.
salut de mon garçon. Baisse ton épée. Bon, je commence déjà à faire des conneries, hein. Oh ! Ouais, non, faut pas que je reste près de lui. Sinon, il va me faire son mouvement là. Le coup qu'il fait, qui part d'en bas et qui remonte. C'est vrai qu'il me l'avait tué tout à l'heure. Salut de mon garçon. Baisse ton épée. Hein ? J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai eu de la chance, hein. J'étais plus loqué dessus, j'ai pas réussi à l'avoir. Je m'en doutais, j'aurais pas dû faire ça. Ça aussi, j'aurais pas dû le faire. Ah, je suis déçu. Ah ouais, non, là je suis déçu. Putain, j'ai mis un coup de trop. Enculé. Non mais ok, le mec il se croit où? Allez, on respire.
Et là, on le fait. Pour le salut de mon garçon, baisse ton épée. Pas content. Ah ouais, là c'est petite erreur de ma part. Ça, grosse erreur de ma part. Et le temps de boire, ouais. Bon, un petit coup. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai fait n'importe quoi! Putain de merde, bordel de... Désolé. Purée de pommes de terre. Non, si je passe par là, ils vont me... Je tombe sur eux. Je suis obligé de me faire griller. Je suis déçu, je l'avais eu là. Il restait plus rien. J'avais super bien joué. Salut de mon garçon. Ouais, non, là j'ai mal joué. Encore mal joué. Pourquoi tu fais toujours au moment où je m'y attends pas? Non, là c'est normal. C'est normal, j'ai fait n'importe quoi donc. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un débile. J'ai voulu esquiver, mon doigt il a tapé. Ah, forcément. Ah bah ouais, forcément. Pour le salut de mon garçon, laisse ton épée.
Je sais pas pourquoi j'ai fait deux fois. C'est obligé. C'était obligé. Oh merde! C'était obligé. Ouais. J'ai fait le con, bordel de merde! Je suis à la fin! Vous voyez, il lui reste plus rien! Il reste quoi? 3-4. Enfin, non, pas 3-4 coups, mais quelques coups! On le voit, sa barre elle est jaune! Et à chaque fois qu'il me fait le coup des stocks, au lieu de foncer dessus, bah je me casse! Oh mais merde! Au lieu de... Ça va me saouler. Au lieu de partir enfin, au lieu d'aller dans le coup des stocks, ben je recule. Et là, j'ai pas reculé assez loin, et forcément, avec son allonge. Pour le salut de mon garçon. Pour le salut de mon garçon, laisse ton épée. Double erreur.
coup. T'as pas l'air de faire ça. Casse-toi, casse-toi, casse-toi! Bah voilà. Pour le salut de mon garçon, baisse ton épée. Je suis le plus mauvais joueur de Sekiro de tout le truc. Du monde. Et voilà, je suis mort. Regardez bien, c'est magnifique, hein. Pour le salut de mon garçon, baisse ton épée.
Oh merde. Et ciao bello. Et je l'ai eu. J'ai eu ma perle de chapelet. Ah voilà, j'ai une technique. Un shinobi doit se préparer à combattre seul plusieurs ennemis. Après avoir tué un ennemi, vous devez expirer vos regrets et réaffirmer votre posture. Affronter des adversaires plus puissants renforce ce moment d'exaltation. C'est quoi ce délire? Une compétence passive qui permet de récupérer de la posture après un coup mortel. Ah! Ah! C'est un peu comme là, quand je tue quelqu'un, je reçois un peu d'énergie. Bah là, ça m'enlève ma posture. Si par exemple, j'étais dans la garde et j'ai pris beaucoup de coups, et je le tue le mec derrière, et ben, ça me renlève le truc de garde, quoi. Donc je suis à 2 sur 4. C'est où que j'ai vu qu'il en restait un? Il reste le chevalier. Ça ferait 3 sur 4. Ah oui, on a tué le ninja dans la forêt là, de bambou. Mais il nous a pas donné une perle de chapelet. Mais par contre, le ninja qui est dans la cave, là, que j'arrive pas à tuer, lui, je suis sûr qu'il va me donner une perle de chapelet. Parce que déjà, il a deux barres de vie. Donc lui et le samouraï. Et il faut que je tue la dame au papillon aussi. On va peut-être tenter la dame au papillon. C'est ça que je voulais augmenter. C'est combien? C'est 3. Et bon, on va attendre d'avoir 3. Si, c'est ça. On va essayer de faire la dame au papillon. Ce que j'ai vu, je crois que c'est, il faut la bourrer, et c'est tac tac, c'est genre tac tac protège, et après on repart rattaquer, je crois. On va tester de toute façon. On est là pour ça. Non, c'est pas là. C'est à la place de ça, il faut que je mette ça. La dernière fois, on l'a battu. Enfin, on l'a battu. La dernière fois, on lui a enlevé. Enfin, on va dire ça entre guillemets. On lui a enlevé une barre. Et quand elle est revenue avec ses fantômes, là.
Ah oui, d'accord. C'est... J'ai l'impression que c'est 1, 2, 3. Oh! Voilà. On lui a enlevé une barre. Impressionnant, gamin. Et maintenant, il faut faire pareil. Il faut la rebourrer. Elle est où ? Dans ce cas, perds-toi dans mes illusions. Là, on commence à s'amuser. Merde ! Non ! J'ai pas eu le temps de l'activer. Voilà. Oh bordel! Mais c'est bon, je crois que j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Normalement, j'ai compris. Là. Normalement, normalement, on tient le bon bout. Là. Vous ne pourrez vaincre cette technique. Ouais, c'est bien. Et quand elle saute en l'air, il faut que je lui mette un coup de shuriken. Putain de merde. Elle est où ? Et voilà. Et je comprends pas, moi, quand j'ai vu les vidéos, les mecs ils bourraient. Enfin, j'ai vu un mec et il bourrait pas mal. Et... Mais en même temps, ouais, il avait le pattern et tout. Mais je sais pas, c'est vrai que j'ai pas vraiment le pattern. Je me contente de bourrer. Et...
puissante. Et voilà, là je suis mort. Je suis un débile. Non, je suis un débile. Je me remets de la vie juste devant elle. Non, mais... Mais merde, elle attaque combien de fois hein? J'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que je dois faire 1, 2, 3, je me protège. Je crois qu'elle attaque deux fois. Et... c'est ça, c'est une, deux... Mais non, je m'étais protégé. Hein? C'est quoi ce coup-là? Il est nouveau? Et allez, ah putain, il faut sauter. Quand elle fait ça, quand elle fait son coup par terre, faut sauter. Quand elle le fait en haut, faut que j'envoie le shuriken. D'accord. Je pense que c'est le dernier. Enfin, je sais pas encore. J'allais dire c'est le dernier jeu dur que je ferai en stream. Oh non, je déteste ce coup-là. Là, j'avais plus de vie, mais tout à l'heure, j'avais toute ma vie et... À
Ah d'accord, après c'est une, deux. Et voilà, là c'est fini. Tu étais encore seulement un chiot. Purée. Putain, ça me dégoûte, mais moi je... Le truc qui me dégoûte aussi, c'est le... Ça me dégoûte, et le pire c'est que ça me dégoûte aussi pour vous. Que je fasse allez, je meurs deux fois sur un boss, après on le tue, d'accord, mais pas des dizaines et des dizaines de fois. C'est irregardable. Mais non, pourquoi t'en fais deux ? Elle est où ? Voilà, beau la gourdinette. Impressionnant. Je crois qu'elle arrive ici. T'es où ? T'es où, mamie? Hein? Eh, c'est quoi ce délire? Non! Bon, de toute façon, j'avais plus de vie. Fais chier! Oh, tu vas te calmer direct, toi. Oh non, bordel.
Allez, dernier, j'arrête. Sale. Purée, c'est pas possible. Merde! Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Oh, bordel! Mais arrête de remettre à chaque fois! C'est bon, j'arrête là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Même moi, si ça m'a déçu plus qu'autre chose. Bon, allez, casse-toi. Ok. Oh, il veut même pas retourner en arrière. Donc voilà. Merde.
Comment ça se fait que je peux plus aller en arrière? Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.